Je vais vous faire une petite vidéo de ces immenses pirogues de plus de 50 mètres. Donc c'est ici, dans cet hangar-là, au bord du Mekong, qui les répare et aussi qui les fabrique. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, on n'a pas trop de lumière. Donc ça, c'est les ferrailles pour tenir d'un côté ou de l'autre. Et tout est en bois. Sauf le milieu là, qui est ici. Voilà, qu'il n'y a que des boulons. Sinon, tout est en bois. Ils sont magnifiques. Là, ils vont sortir les barques pour faire des courses. C'est vraiment des courses de pirogues sur le Mekong. N'accompagnons, ça fait une semaine qu'ils font des courses sur le Mekong. Là, c'est fini. Et bientôt, ça sera au tour de Mudan. Donc, réparation, mis au sec des pirogues. Donc, de chaque côté, un là, un là-bas, ainsi de suite. Ici, le gouvernail, très important. Avec évidemment les couleurs de leur équipe, le bagnon ici de couleur qui un porte-bonheur, hein, ça il faut le savoir. Donc voilà un petit peu. Et toujours du talc et avec de l'encens pour mettre devant. C'est comme ça, c'est des rituels et c'est super bien. Voilà, donc je sors un peu parce qu'avec l'ombre. Vous y voyez pas trop. Je vous montre le Mekong. Évidemment, la fierté ici de la Thaïlande. Ces porte-encens et tout sont fixés au devant du bateau. Et il y a encore des drapeaux ici. Voilà. Donc le Mekong, le voilà. On l'appelle Kong. Je suis au bord d'un temple. Est ici avec des jolies statues, le Puyana évidemment ici, et là vous avez l'atelier qui est en bordure du Mekong comme je vous ai dit, et là vous avez encore des pirogues qui sont au fond, donc on viendra les découvrir évidemment en espérant qu'il y ait des personnes qui travaillent dessus, c'est bien de les voir travailler. Voilà, donc le Laos qui est de l'autre côté du Mekong, le Mekong très haut par rapport aux pluies, je ne l'ai jamais vu aussi haut que ça, et c'est que du bonheur de le voir haut, avec une petite pensée à ceux qui évidemment ont pris l'eau par rapport à ces crues qu'il y a eu ici en Nissan et à d'autres endroits évidemment, donc tout mon esprit, tout mon cœur et à ces personnes là. C'est toujours avec des émotions quand on parle de choses qui, voilà, il y a des gens qui ont perdu, leur il y a quelque chose qui est tombé, c'est pour ça j'ai cru que c'était un lézard. Il rigole, Dimitri rigole. Voilà, ceux qui ont perdu leur maison et tout. Voilà, on est bien là. Oh, oui. Après manger devant le Mekong, hein. Devant Kong avec ses belles fleurs, ses belles plantes. Voilà. Le pont de l'amitié, là-bas, qui rejoint le Laos et la Thaïlande, Mudan.